Salut! Salut! Ah, c'était soft, hein! Ouais, j'ai pas dit un salut, tout. Bref, on se retrouve là, comme vous pouvez le voir, vous pouvez reconnaître le personnage, je fais un petit tour d'elle. Tellement elle est belle. Nous sommes là sur le DLC d'Infamous Second Son qui s'intitule First Light. Voilà, donc, comme d'habitude, qui a été développé par Sucker Punch. Sucker Punch! Édité, pas le dire. Wow. Édité par Sony. Il est sorti le 27 août 2014 sur le PSN. Il sort également en boîte le 10 septembre 2014. On dira pas cette date, mais elle est importante. En version matérialisée. Il était au prix de 14,99€. C'est une exclusivité PS4, tout comme le jeu en lui-même. C'est un DLC indépendant du jeu, c'est-à-dire qu'on peut y jouer sans avoir le jeu. Et puis il y a un platine. Voilà. Donc l'histoire, en fait, on incarne du coup Abigail Walker, qui est ici présente, alias Fetch. Ouh. Et du coup, on la retrouve en fait dans la prison de DUP. DUP, c'est ça. Qui s'appelle Cordon Quay, auprès d'Augustine pour raconter son histoire, ses périples, voilà, sa vie, juste avant son emprisonnement. Voilà. Bah oui, simplement, c'est ça. On veut pas vous spoiler plus. Pas trop spoiler, sinon, on peut détailler et dire plein de choses, mais ouais. C'est pas possible. Bref, du coup, au niveau graphisme. Bah, c'est très joli. Hein, ça reste comme, ouais. Ça reste comme Infamous Second Son. C'est vrai que c'est toujours une claque, on s'est aussi dit oh là là, voilà, trop c'est bien. C'est vachement plaisant d'y rejouer, en tout cas, de retomber sur. Non, mais c'est. Infamous quoi. C'est clair, je suis clairement d'accord. Donc voilà, il n'y a pas grand chose à dire. De plus, voilà, on va pas redétailler. Voilà. Les lumières sont bien faites, surtout au niveau des pouvoirs, c'est vraiment pas mal. Ouais. Du coup, au niveau du gameplay, donc, on a le pouvoir du néon. Je te laisse aller faire start. Ok, je fais start. Voilà, tu vas aller dans les améliorations. Chef. Tout chef. Et du coup, vous pouvez voir que ça se passe un peu pareil. On a les... Bah, t'as pas acheté le dernier... Bah si, vu que j'ai le platine. Oui, c'est là, vrai. Là, ça passe au vert, peut-être. Ah ouais, peut-être, c'est bizarre. Oui, c'est bizarre. Du coup, bref, on a toutes les améliorations. Coup, on a le drain lumineux, voilà. Les éclairs lumineux, la vitesse de lumière. Il y a la mêlée. Voilà, il y a les stases, il y a les missiles auto-guidés et la singularité lumineuse qui permet de niquer tout le monde d'un tout coup monde, en appuyant sur le petit disque. Comment on appelle ça Les flèches. Ouais, non, la flèche bas. Ouais, voilà. La flèche bas, tout simplement. La meuf inculte, c'est quoi c'est même pas, je... Si, ça c'est un nom, je sais plus comment ça s'appelle. Bah, une touche directionnelle, Marie, je pense. Ouais, non voilà, merci. Bon, quel est ce terme quel est ce terme pour appeler les touches qui sont là? Voilà. Bah là, c'est les analogues. Oui, bah les touches additionnelles. Ouais, voilà, c'est ça. Je voulais dire le disque additionnel, mais ça c'était pas un disque. Non, c'est même pas des touches additionnelles, c'est des touches quoi. Flèche du haut, flèche de. Oui, bon, bah ça va, ok, d'accord. Bref, on était hors sujet. Pardon. Du coup, voilà, tu peux sortir. Nous sommes dans la ville de Seattle. Hein. Tout à fait. On peut voir, attends, la tour, on peut la montrer Ah non, elle est où? Bah si, normalement la tour. Là, elle est juste là. Attends, je monte sur un toit pour avoir une vue panoramique. Donc vous voyez, vous pouvez voir la fameuse tour. Non, le mec qui veut la détruire. Du coup, vous avez juste droit à la première partie de la ville de Seattle. Voilà, vous n'avez pas les deux parties comme dans le jeu en lui-même. Et du coup, dans cette ville, vous pouvez récupérer des lumens donc, qui permettent d'avoir des points d'XP, de s'améliorer au niveau lumineux. On peut faire des courses de lumens. Des courses de lumens, donc on peut les poursuivre et tout ça. Voilà. Et utiliser, après on va en parler... Donc on peut faire aussi les tags lumineux qui sont très très sympas. Il n'y en a pas beaucoup, c'est chiant. Je ouais, mais c'était pas mal. Et c'est vachement beau. Et les caméras, donc qui suivent... Mais on a trop mal. C'est normal, on est à fond. Oh là là, putain. Les caméras qui servent à repérer les drones de police pour les détruire. Voilà, en gros, voilà, c'est un petit peu pareil qu'il y avait dans le jeu en lumière. Dans le jeu, ouais, c'est ça. Et puis du coup, il y a les nuages lumineux là qu'il a utilisés. Qui est un nouveau truc et c'est vraiment pas mal, c'est pour booster sa vitesse tout et du fait. Coup avoir une accélération et franchement on s'éclate là-dessus quoi. Moi franchement j'ai passé mon temps à faire ça quoi. Merde. Non, mais c'est vrai, c'est pas mal. Et du coup après vous avez aussi comme là une fusillade, on appelle ça, appelez ça comme des fusillades, des akulas, donc il y a un gang russe, ceux qui font l'histoire vont comprendre très rapidement ce que c'est. Vous avez des otages à aider. Que j'ai fait tout à l'heure. Voilà, que tu as fait. Et des DUP. Qui se déplacent aussi également. C'est du ça. Coup, voilà, maintenant on va pouvoir passer à l'arène. À l'arène. Tiens, je m'accroche au feu rouge, voilà, je grimpe. Donc on va passer à la petite arène, donc ça c'est le truc favori de Marie. On va prendre mon préféré, Survie Arène Beta. On prend Survie Arène Beta. Ok, ouais. Right, c'est parti les gens. Ah t'as pas pris le costume, d'accord, ok, d'accord. On moi j'ai mon costume. Ah, non, tu savais même pas qu'on pouvait changer de costume. Est-ce qu'on peut rechanger de costume là?
Non, faut refaire une partie. Ah, bah tant pis pour toi. T'auras pas de bref, coup, alors là, c'est la reine, c'est Cordon Quay. Donc, il y a deux modes de jeu, survie et sauvetage. Sauvetage, il faut juste survivre, mais aussi sauver les otages. Voilà. Tout simplement. Là, on a pris survie de l'arène bêta, c'est mon endroit préféré ici. C'est clairement cool. Donc, vous avez aussi la possibilité d'incarner Delsinro. Je l'ai pas dit, mais le mode survie, hein, c'est survie, vous avez pu le comprendre, on n'a pas besoin de détailler. Possibilité d'incarner Delsinro, du coup, pour ceux qui possèdent le jeu. Donc, au lieu d'avoir Fetch, vous pouvez. Faire les mêmes défis avec Delphine. Voilà, c'est ça. Vous avez trois arènes, donc l'arène alpha, donc c'est les sauvetages, donc là vous avez des Akula et des DUP en survie également. Mais du coup après ça change, vous avez l'arène bêta, c'est du coup vous avez des DUP et des ennemis démoniaques en sauvetage. Donc c'est un peu le plus dur au niveau sauvetage, déjà moi c'est le mode que j'arrive pas trop. Et le DUP, et avec des tourelles pour le mode survie. D'ailleurs les tourelles qui font le... Voilà, et qu'il faut se servir à son avantage, bien sûr. Voilà. Sinon... Je ne parle pas français ce soir, c'est une catastrophe. Et moi, je ne parle pas du tout, comme ça, c'est une catastrophe. Ouais. Voilà, ouais, bref. Ah, mais c'est le jeu, il est concentré aussi, faut... Ouais, qu'est-ce que tu fais? Bah, je cours, voilà. D'accord, tu veux t'exploser avec la munition aussi. Je l'aime, mais... Fail! J'ai pas fait fail encore, j'ai failli mourir à 30 secondes, donc voilà. Du coup, après, il y a l'arène gamma, qui est la plus difficile, donc là, c'est de la survie avec les DUP. Et les ennemis démoniaques, vous avez tout en fait. Il y a tout le monde qui t'embête, quoi, tout simplement. Voilà, c'est exactement comme le sauvetage en arène bêta, sauf que là c'est de la survie. Voilà, tout simplement. Les maps changent aussi en fonction des arènes, bref. C'est un système de points et de vagues, donc vous voyez là il a 8850 points. Bon là il a augmenté, mais vous pouvez aussi avoir essayé les vagues et tout ça, enfin bref. Et vous avez des drones de couleur là qu'il est en train de prendre. Donc vous avez le bleu. C'est le super éclair, ça permet d'avoir un peu plus de puissance. Je vais essayer de tuer des gens avec ça. Et c'est ce qu'il y a dans un défi d'ailleurs. Vous avez également le rose, donc vous êtes invulnérable pendant une vague. Donc, c'est très très pratique en tout cas quand tu. Voilà. Oui, voilà, c'est vrai que c'est pratique. C'est très pratique. Et on a le jaune. Le jaune qui est le multiplicateur de points. Ouais, qui te fait éclater. En fait, faut même pas que tu parles. Faut pas que je parle en fait, sinon je me fais arracher. Donc ça, c'est... Oui, voilà. Et le vert. Et le vert, c'est les coups fatals illimités pendant une vague également. Donc les coups fatals, si tu veux bien en faire une. Voilà, c'est ça. T'as du coup... synchro, hein. Voilà, ouais, grave. Donc les trophées, ça fait peur, mais en fait, c'est extra simple. Enfin, on trouve en tout cas. Ouais, c'était pas si dur que ça. On a eu peur, mais c'était les défis qui faisaient peur, quoi, en fait. Voilà, ce qui peut être le plus dur, c'est les défis. Donc survivre à 30 vagues, voilà, ça peut être un peu plus compliqué. On peut vous donner une technique, après chacun a bien sûr sa technique et son style de jeu. La technique que je ne fais pas du tout. Là tu la fais pas, ouais. Non. Bah bref, moi ce que je faisais c'est que je tournais en rond, toujours en hauteur, vous voyez les passerelles où il va là. Là-dessus, là. Vous tournez en rond, vous allez sur ces passerelles là, vous prenez du néon. Voilà, c'est ça qu'il faut faire. En arène bêta comme là on est, vous utilisez bien sûr les tourelles à votre avantage. Et puis bah voilà, les drones aussi également, les drones de couleur qui sont importants. C'est très important les drones en fait. Oh là là. Et puis bah après, le seul conseil c'est de s'habituer à ce jeu. Ne pas avoir peur, surtout s'y habituer, je pense, pour faire les vagues après par la suite quoi. Voilà, c'est vraiment ça le plus dur en fait. Donc, tes points positifs. L'histoire. Bah l'histoire, ouais, l'histoire qui est vachement cool pour ce DLC. Ah ouais, moi j'ai adoré, l'histoire est très prenante, très attachante. C'est... Ouais, voilà. D'ailleurs, on va passer au personnage dans les points positifs également. Le personnage qui est Fetch, du coup, qui est très attachant. Le personnage de Fetch est très attachant. Merci. Faut de l'éclair. Enfin, je pense que c'est comme ça, oui. oui, ok. Non, c'est la plage, le soleil, ça m'a tapé. Hein. Bref, du coup, Fetch qui est très attachante et qu'on apprécie énormément, ainsi que son frère. Hein, si vous avez vu notre vidéo découverte, vous savez, vous avez pu voir qu'il y avait Brent, son frère, ça, qui est aussi très attachant aussi. Moi, je le trouve très protecteur envers Fetch. Et puis vous avez aussi Augustine qu'on découvre sous un autre angle. Dans le jeu, c'est vrai qu'on a tendance à penser qu'à son mauvais côté, alors qu'à la fin, elle dit bien des choses qui se confirment dans le DLC. Ouais, voilà. Du coup, c'est vrai que c'est très intéressant au niveau des personnages. Il y a le système des arènes, le système des points et tout ça. Du coup, ça fait vachement cool. C'est vachement cool, je trouve, c'est bien pensé. C'est bien pensé, je sais pas pourquoi j'ai pensé à ça, mais c'est bien pensé en tout cas, voilà. Et les nuages lumineux, qui est un nouveau type, enfin une nouvelle chose au niveau du gameplay. Qui m'a, moi qui m'a vachement plu en tout cas. Ouais, c'est toi, clair. Toi, c'est de pareil, hein, je suppose. Ouais, bah moi j'ai passé mon temps à faire ça. Oui, voilà, t'as pu.
Et il y a les obstacles aussi, je sais pas si c'est les joueurs qui se sont plaints et qui du coup Sucker Punch et Sony a essayé d'améliorer la chose, c'est le système des obstacles. Enfin, le système. Non, les obstacles en fait. On peut les traverser maintenant. On peut les traverser. Je sais pas si pour ceux qui ont fait le jeu, s'il y en a qui avaient des problèmes pour monter un immeuble et avec des balcons et qui te coincent tous les deux mètres. Moi j'avais. Ouais, bah moi aussi. Du coup, là tu les traverses. Donc c'est vraiment très très bien. Après, du coup, le prix et la durée du jeu. La durée du jeu, elle est pas hyper longue, c'est un DLC, mais bon, c'est quand même 4-5 heures. Même, ouais, 5 heures. 5 heures. Et, et après, en fait, on a dit durée et qualité, enfin, qualité-prix en gros, parce qu'il y a l'arène. Et les arènes permettent vraiment, enfin, c'est à l'infini. Ceux qui aiment beaucoup ce mode de jeu, bah. Elle peut le faire tout le temps, merde. Voilà, tu peux le faire tout le temps, du coup, c'est vrai que c'est hyper, hyper intéressant. Après, il y a le DLC aussi qui est indépendant. Oui, qui est indépendant, ça c'est très, un très bon point de leur part parce que t'as pas besoin d'acheter le jeu à Second Sun pour avoir ce DLC quoi. Donc, ouais, du coup, si t'as eu le malheur de le revendre, comme, bah pas comme moi d'ailleurs, mais comme toi, ouais. Et bah tu peux faire le DLC quoi. Donc c'est très. C'est ça. Et puis le petit plus, je crois que je suis la seule à avoir vu ça. Ah ouais, alors non, alors attendez. Là, on a, les gars, on a découvert le egg du jeu. Enfin, elle a découvert le secret du jeu quoi. Alors vous allez nous dire si vous l'avez trouvé aussi. J'ai vu, on va pas spoiler, on va pas dire quel passage, mais moi en fait j'ai pas eu le même truc que lui, en fait, dans ce passage là, il y a tout le monde qui a eu comme lui, mais moi j'ai eu différemment, voilà. Je ne sais pas pourquoi. Et donc, et j'ai vu une peluche de Knack. Aucun rapport. Bah si, c'est édité par Sony. Aucun rapport. Non mais moi je suis, c'est un ex, je suis sûre que j'ai trouvé ça. Pour ceux qui ont fait le jeu, si franchement je suis pas folle, dites-le, ouais. Là, il me fait passer pour une folle. Tout à l'heure, il me dit mais n'importe quoi, plus ça n'a aucun rapport. Alors, je passe pour une grosse tarée. Donc, si vraiment vous, non, mais vous pouvez me confirmer la chose. Parce c'est... que du coup, je me demande si j'ai pas halluciné quoi. En plus, non, mais vous savez quoi, tellement qu'elle était convaincue, elle me met quand même une vidéo sur YouTube du playthrough. Et il n'y a pas quoi. Il n'y a pas. Il y a le passage, il y a mon passage, comme vous avez eu sûrement. Et non, elle est persuadée d'avoir eu Knack. Oui, mais moi, j'ai pas eu la même chose que vous. Enfin, bref, on va pas déballer pour pas spoiler. Notre seul point négatif. Je vais décéder, c'est les bugs. Enfin, les bugs d'image. En fait, moi j'en ai eu deux, toi combien? Je suis mort? Ah non. Bah, j'en ai eu beaucoup. C'est vrai? Non, j'en ai quelques-uns. À un moment, je me suis retourné dans les nuages. On a dit que c'était la singularité. Mais t'es tombé dans la tête. Ouais, je sais, mais attends. Moi, je... Et du coup, ouais, c'est les bugs d'image. En fait, vous êtes coincé dans un bâtiment et vous pouvez plus y sortir. Donc, moi, ça m'est arrivé beaucoup de fois, mais en sauvetage. Enfin, beaucoup de fois, deux fois, mais en sauvetage. Et non, mais je viens de Marseille, tu vois, moi, j'exagère à fond. Voilà. Non, mais dans le jeu initial, en tout cas, moi, j'ai eu au moins 5 ou 10 bugs, quoi. Dans le jeu initial? Ouais, mais là, c'est pas le jeu initial. Non, mais dans le DLC, je veux dire, j'ai eu ouais, entre 5 et 10 bugs, quoi. Je peux pas mentir non plus, mais. Ouais, bah moi c'était vraiment dans l'arène en fait, j'ai été bloquée dans un bâtiment et je pouvais plus y sortir, plus bouger, plus rien faire. Donc voilà, j'ai eu ça deux fois, du coup voilà, c'est le seul point négatif qu'on trouve là-dedans. Hein. Ouais, du coup, on va penser à ta note. Et bah ça fera 17. Et moi, je suis une fifou, je mets 19. Non, j'ai... Racaille, non boîtes, mais franchement, j'ai kiffé, c'est vraiment. Là, j'ai adoré. J'ai adoré ce DLC, j'ai trouvé ça génial. Du coup, ouais, je mets un 19. Du coup, ça fait une note de 18. C'est mérité, de franchement. Du coup, c'est un 18 sur 20. Quand on met le total de nos notes, du coup voilà, tes attentes. Bah moi un petit, on a débattu là-dessus, mais éventuellement un DLC avec, rappelle-moi son prénom. Augustine, parce que j'aimerais bien savoir en fait. Elle en parle dans la cinématique voilà, de fin du jeu, on va pas. C'est ça, et j'aimerais en fait revivre le passage qu'elle dit. Voilà. On va pas spoiler, mais le passage qu'elle dit, j'aimerais bien le vivre et faire un petit DLC là-dessus. Et après, voilà. Et moi en fait, ce que j'attends, c'est un jeu. Pas une suite ou quoi que ce soit parce que je vois pas ce qu'ils peuvent faire comme suite vraiment. Oui, c'est vrai que Moi j'attends un Not Infamous mais avec un héros voilà, je vais peut-être me faire taper sur les doigts mais moi ce DLC m'a vraiment époustouflé dans le sens où je me suis vraiment attachée à Fetch. Ouais, moi et moi ce que je veux c'est vraiment des héros comme Fetch. C'est-à-dire pourquoi pas les féminines? C'est vrai que ça change, ils en mettent de plus en plus et ça fait vachement plaisir. La communauté, ouais. C'est pas une petite pouffe, voilà, c'est vraiment. Ah, c'est une roqueuse à moitié. Voilà, moi je kiffe. Et voilà, nous on veut des héros comme ça qui sont attachants. Moi je préfère du coup largement Fetch à Delsine. Parce que Delsine on l'adore, hein, on va pas dire le contraire. Mais il est pas aussi attachant que Fetch. Et du coup, bah, moi ce que j'attends, c'est un jeu avec un héros à la Fetch. À la Fetch, ouais, c'est clair, parce que même moi je suis attaché à Fetch. À la sauce de Fetch, voilà. Je suis attaché à Fetch, alors que bon, vous savez très bien que moi les jeux, je suis pas hyper attaché comme Marie quoi. Voilà, mais du coup, voilà tout ce qu'on peut dire dans nos attentes.
On le conseille, oui, vivement. il vaut vraiment le coup, même ceux qui n'ont pas fait encore le jeu. Voilà, ça peut être intéressant, ça peut être une première... une découverte. Voilà, une découverte de ce Infamous. Franchement, voilà, on le conseille énormément. Et puis, bah voilà, sur ce... tu likes, tu commentes, tu partages, tu t'abonnes sur Twitter, Facebook, Twitch et bien sûr YouTube. Et puis comme ça tout le monde sera content. Voilà, on vous dit à la prochaine. Et puis ciao ciao. Ciao.